Bonjour à tous, aujourd'hui on est chez mon préparateur NB Compétition. Je vous emmène avec moi. Donc là, je suis avec les deux fondateurs de NB Compétition, donc Kevin Deltel et notre ami Bastien. Donc on a une question pour Bastien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né NB Compétition? Alors NBC Compétition, ça a été venu, on va dire, sur le dernier rallye de l'année 2023. En fait, l'idée était venue bien avant, mais c'était le nom, le temps de trouver, etc. Donc voilà, NBC Compétition. Donc là, NB Compétition donc, propose deux types de services. La préparation des véhicules de compétition. Et il y a également une partie location de voitures. Donc pour l'instant, il y a uniquement une 206 A6K donc, qui est proposée à la location pour chaque rallye. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la 206 et quelles ont été les améliorations apportées pour cette nouvelle saison ? Niveau préparation cette année, on est parti sur toujours une base de A6K. On a refait un moteur et on a essayé de changer un peu le look de la voiture. Elle était blanche avant. On a passé sur du gris. On a essayé de faire quelque chose de bien et on verra jusqu'au dernier spécial de cette journée. On verra bien. Donc, on va terminer avec un extrait vidéo de la 206 A6K. Donc, équipage Jérémy Euphrasie et son copilote Augustin Euphrasie, donc au rallye de Saint-Leu, donc top 30 avec première place à 6K. Donc dans toutes les prochaines vidéos de la chaîne, vous verrez souvent apparaître NBC Compétition. Donc franchement, c'est une équipe au top. C'est vraiment un plaisir d'avancer avec eux. Et surtout, ils touchent à tous les domaines. Et ils sont vraiment très dispo et très sérieux dans leur travail. Donc actuellement, ils proposent les assistances pour les personnes qui roulent en rallye, les préparations des voitures de rallye et également l'aspect location. Donc si besoin, vous avez leur contact dans la description de cette vidéo. Et bientôt, vous aurez également des nouvelles de la C2. Donc ça fait longtemps que j'ai pas communiqué par rapport à la C2 depuis 2023 où on avait roulé en N2S. Avec le titre de vice-champion promo, mais il y a des nouvelles qui vont arriver très prochainement. Surtout, restez bien connectés sur la chaîne, abonnez-vous pour recevoir toutes les prochaines vidéos et on termine donc ce vlog avec les images suivantes. À très bientôt, salut.